Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à l'Agence spatiale canadienne. Welcome to everyone joining us on social media. Nous allons aujourd'hui assister à une heure du compte en direct de l'espace avec l'astronaute David Saint-Jacques. Et si le temps nous le permet, David va également répondre à quelques questions provenant d'élèves de deuxième année de son école primaire, l'École des Saints-Anges de Saint-Lambert. Without further ado, please welcome Mr. David Lametti, Parliamentary Secretary to the Minister of Innovations, Science and Economic Development. Merci. Merci. Wow, bonjour. Je suis très heureux d'être à l'Agence spatiale canadienne aujourd'hui. Comme vous le savez sans doute, l'astronaute canadien David Saint-Jacques s'est envolé dans l'espace le 3 décembre dernier. We are very lucky to take part in a live connection with him while he is aboard the space station. This special event is sure to be remembered by the students here with us today. Perhaps some of you will even be inspired to reach for the stars yourselves. I've heard that reading stories together is a favorite part of the Saint-Jacques family's evening routine. Inspired by David's desire to continue with the routine while in space and connect with his three children in a way that is relatable to so many young families across Canada, the Canadian Space Agency developed the Explorers Club, a space-themed story featuring Canadian astronaut David Saint-Jacques. Ce livre numérique est une initiative visant à susciter l'intérêt des petits pour l'espace, l'apprentissage et la lecture. Les recherches démontrent que la lecture aux enfants a un effet durable sur l'apprentissage de la langue et sur leur aptitude à lire et à écrire. Prendre un moment pour lire avec votre enfant est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez lui faire. J'en ai eu trois et je l'ai fait. J'ai donc le plaisir de vous dévoiler le tout premier livre numérique de l'Agence spatiale canadienne, Le Club des explorateurs. Dans quelques minutes, David Saint-Jacques lira cette histoire pour la première fois depuis l'espace. Êtes-vous prêt pour l'heure du conte en direct de l'espace? Oui! Je n'ai pas entendu. Êtes-vous prêt pour l'heure de conte en direct? Voilà, c'est beaucoup mieux, je vois les pyjamas aussi. Comme vous tous, j'ai très hâte de voir et de parler avec David. Je cède donc la parole à Annie afin qu'on puisse procéder aux derniers préparatifs pour ce moment bien spécial. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lametti. Donc, notre connexion avec David Saint-Jacques débutera dans quelques minutes. Donc, j'invite les élèves préidentifiés à venir prendre place sur la scène. Parfait. Est-ce que vous êtes confortables, les amis? Super. Alors, il nous reste encore une dizaine de minutes avant le début de notre connexion. Donc, je vais en profiter pour poser quelques questions aux élèves de première et deuxième année qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, les amis, à main levée, juste pour voir un peu, est-ce que vous levez la main si vous connaissez l'astronaute David Saint-Jacques? Oh, wow!
On a vraiment des enseignants et des enseignantes qui ont fait un très bon travail ici. C'est vraiment très bien. Et puis, en plus, bien, vous allez avoir la chance de le voir sur le grand écran d'ici quelques minutes. Vous pouvez baisser les mains. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que, levez la main si, cette semaine, vous avez lu un livre avec papa, avec maman ou encore par vous-même? Cette semaine, est-ce qu'il y en a qui ont fait « Wow, tout le monde, presque tous les amis ici ont fait de la lecture cette semaine et c'est vraiment très bien. » Et vous savez quoi? Ce soir, vous allez pouvoir proposer à papa, maman, à votre frère, à votre sœur, un nouveau livre qui va sortir et qui va avoir une thématique sur l'espace. Alors ce soir, vous allez pouvoir proposer une nouvelle lecture à faire en famille. Et dites-moi, parce que il y a quand même des gens importants dans l'Agence spatiale qui sont ici et qui cherchent toujours à recruter de futurs astronautes. Est-ce que certains d'entre vous rêvaient d'aller dans l'espace comme les astronautes? Wow! Un bon bassin potentiel. Je vois le président qui est très heureux sur les futures campagnes de recrutement d'astronautes. On a déjà un superbe bassin. Et en matière de connaissance de l'espace, est-ce que certains pourraient me nommer des planètes de notre système solaire? Alors, je vais aller sur la scène parce que je vais mieux les entendre un peu. Est-ce que tu peux me nommer une planète du système solaire? Vénus, oui. Est-ce qu'il y en a qui en connaissent d'autres? Mars, oui, la planète Mars. Est-ce qu'il y en a d'autres? Si. Oh, Jupiter, wow, on en a déjà beaucoup. D'autres? Est-ce que... Oui. Saturne, exact, c'est très bien. Oui? La Lune, oui, la Lune qui est près de la Terre, qui est en fait le satellite naturel de la Terre. Donc, elle n'orbite pas autour du Soleil comme les planètes, mais elle orbite autour de la Terre. Donc, tu as raison, la Lune, elle est très, très près de la Terre. Le Soleil, oui, en fait, le Soleil, c'est une étoile qui est comme une grosse boule de gaz très chaude qui va nous permettre, qui en fait... au centre, et toutes les planètes que vous avez nommées tournent autour du Soleil. Oui? La Terre. Eh oui, la Terre, notre planète sur laquelle on est, sur laquelle, en fait, à 400 km d'ici, donc très haut dans le ciel, c'est là qu'est la station spatiale, et elle tourne autour de la Terre. Et donc, David est présentement en train de tourner très, 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 très rapidement autour de la Terre pour réussir à rester en orbite. En fait, il va très vite, il va à 28 000 km à l'heure. Donc, il fait le tour de la Terre en 90 minutes. Ça, c'est à peu près le temps d'écouter un film. Puis, je vais juste confirmer sur le temps de la connexion. Il nous reste encore à peu près 5 minutes. Super. Donc, en fait, est-ce qu'il y a d'autres amis qui savaient? Il reste quelques planètes à découvrir. Oui. Mercure, oui. Mercure qui est la planète qui est la plus près du Soleil. Elle est très, 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 très chaude. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Si je suis capable d'aller un petit peu plus loin derrière, oui. Il faut que tu le dises fort, par contre, ta réponse. Oui. Pluton. Et Pluton, je vais pouvoir te présenter un scientifique planétaire de l'Agence spatiale. En fait, c'est une planète naine, Pluton, mais c'est vrai qu'elle a déjà été dans notre système solaire. Maintenant, on dit qu'elle est en dehors parce que c'est une planète naine qui ne fait pas exactement une orbite parfaite autour du Soleil. Mais oui, on aime quand même beaucoup Pluton à l'Agence spatiale canadienne. Est-ce qu'il en manque? Il en manque quelques-unes? Oui, fort, fort. Neptune, oui, exactement. Il en manque encore. Oui, oui. Uranus, oui, qui est une planète. Est-ce qu'il y a d'autres qui nous manquent? On les a pas mal toutes nommées. Oui? Oui, en fait, Cérès, c'est aussi une planète naine. Ah, mais c'est bien. Là, moi, je vois le potentiel de scientifique. Et, oui, ça va être parfait. Oui, on avait dit Jupiter. Je pense qu'on a nommé
quand même bien, mais je pense, Monsieur Lametti, que vous pouvez être d'accord avec moi sur le fait qu'on a vraiment des grands connaisseurs d'espace et en plus des grands lecteurs dans la salle. Alors vraiment, je vais vous donner une main d'applaudissement parce que je suis vraiment très fière de vous. Vous avez beaucoup de connaissances. Monsieur Lametti, est-ce que vous aviez des questions pour les enfants? Donc, est-ce que vous êtes en train de suivre le voyage de M. Saint-Jacques, de David Saint-Jacques? Oui, avec vos enseignantes? Est-ce que vous l'avez vu flotter dans la Station spatiale internationale? Ah oui! Super! Ah, certains oui, certains non. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde va avoir la chance de le voir flotter dans la Station spatiale. C'est en fait vraiment... Un moment spécial qu'on va avoir. Et puis la raison pour laquelle on attend encore un petit peu, c'est que les connexions sont très précises. Pour réussir à faire une connexion vidéo avec la Station spatiale internationale, ça prend beaucoup de précision. Donc, on est en train de tout mettre en place pour que ça puisse être possible. Et est-ce que vous savez également qu'est-ce que les astronautes font dans la Station spatiale internationale? Qu'est-ce qu'ils font? Oui. Ah, quand ils sont dans la fusée, oui, pour se rendre, effectivement, ils prennent une fusée. David s'est rendu dans une fusée Soyouz, donc il est parti, en fait, du Kazakhstan, et il s'est rendu dans la station spatiale. Et ça lui a pris que 6 heures pour se rendre, donc ça a été quand même très rapide. Et puis, une fois dans la station spatiale, David fait beaucoup d'expériences scientifiques. Donc, quand vous faites de la science à l'école aussi, dites-vous que des astronautes dans la station spatiale, eux aussi, ils font beaucoup de science, ils font beaucoup d'expériences scientifiques pour réussir à étudier plein de choses, entre autres, le corps humain dans l'espace. Est-ce que vous pensez que c'est bon pour le corps humain d'aller dans l'espace puis de flotter comme ça en microgravité? Non, c'est pas bon pour le corps. Parce qu'en fait, notre corps est habitué à la gravité, est habitué d'avoir du poids. Donc, dans la station spatiale, les astronautes, ils se mettent à avoir des muscles plus faibles, des os plus faibles. Ils doivent faire beaucoup d'exercices tous les jours pour réussir à rester bien en forme. Un peu comme nous sur la Terre, c'est important de faire de l'exercice tous les jours. Mais pour les astronautes, c'est encore plus important. Ils en font pendant 2 heures et demie par jour. De l'éducation physique pendant 2 heures et demie de temps. Mais leur gymnase est beaucoup moins grand, par contre. Pas de jeu de ballon. Et ça va être plutôt du tapis roulant, du vélo stationnaire, plein de choses qui vont en fait leur permettre de garder des os et des muscles très forts. Je pense qu'on est prêt pour notre connexion dans une petite minute. Donc, on va se préparer à la connexion. Et les amis sur scène aussi, vous êtes prêts à écouter l'histoire? On va commencer la connexion dans 30 secondes. Et ce que vous voyez en ce moment, c'est le centre de contrôle de mission à Houston. Il y a un petit délai dans la connexion. Comme je disais, ça prend vraiment beaucoup de tests et de technologies pour réussir à se connecter avec la station spatiale. Donc,
On a juste un petit délai, mais ce que vous voyez donc en ce moment, c'est effectivement le centre de contrôle des missions qui est situé au centre spatial Johnson au Texas, donc à Houston au Texas, aux États-Unis. Station, this is Houston. Are you ready for the event? I'm good. Houston, this is Station. Do you hear me? Loud and clear. Are you ready for the event? I am ready for the event. Canadian Space Agency, this is Mission Control Houston. Please call Station for a voice check. I hear you loud and clear. Je vous entends très bien. How do you hear me? Bonjour tout le monde. Bienvenue à... Saint-Ange, ton école primaire. Nous avons très hâte que tu nous lises l'histoire du Club des Explorateurs. Bonjour tout le monde. David, nous allons être prêts à t'écouter. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes déplacé jusqu'à l'Agence spatiale canadienne. Alors, j'ai pas le livre avec moi en papier, mais je l'ai en version électronique sur mon iPad. Alors, je vais vous le lire. Êtes-vous prêts? Voici le Club des explorateurs. Nico, Layla, Mathias et Gemma, sans oublier le petit chien curieux, Chewy. C'est le chien le plus aventureux de l'univers, ou du moins de son quartier. Ce jour-là, les cinq explorateurs jouent tranquillement dans leur cabane lorsque l'ancienne télévision brisée des parents de Nico s'anime soudainement. Layla dit « Regardez! » « C'est David Saint-Jacques, l'astronaute canadien. » Nico répond « Tu as raison, Layla. » Et il fait un signe de la main depuis l'espace. « Ouais, génial !» dit Mathias. « Moi, quand j'étais petit garçon, je rêvais de l'espace et des vaisseaux spatiaux. À l'époque, ça me paraissait impossible. Mais me voici aujourd'hui dans l'espace.
ayez un rêve, voyez grand, et vous pourrez décrocher la lune. Osez explorer. Et tout le monde reprend « Osez explorer !» Et la télévision s'éteint brusquement. Mathias demandait « Hey, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et Gemma dit « Je ne sais pas, Mathias, mais moi, je veux explorer l'espace, moi aussi. » « Nous aussi! Waf, waf! » dit Chewie. Les enfants se mettent donc au travail pour construire la fusée la plus fantastique qui ait jamais volé dans l'espace. Et bien sûr, une petite fusée pour Chewie. Après plusieurs longues, très longues minutes de dur travail, les enfants s'arrêtent pour admirer le résultat de leurs efforts. Une magnifique fusée pour chien et une plus magnifique encore pour enfant. « Oh non! Chewie a appuyé sans le vouloir sur un bouton qui l'a propulsé dans l'espace! » À la vitesse de l'éclair, Gemma fait décoller le vaisseau spatial des enfants pour rattraper leur toutou adoré. Et on entend les moteurs. Chewie, on vient te chercher! Mais qui a mis tout ce carburant dans la fusée? Je ne sais pas, Mathias, mais nous filons tellement vite que je ne sens plus mon visage. Ils sont écrasés par l'accélération. Et tout à coup, le silence tombe. Ils sont rendus dans l'espace. Les enfants se retournent pour regarder par la fenêtre vers la Terre. Elle ressemble à une belle bille bleue géante et éblouissante qui rapetisse rapidement à mesure qu'ils s'en éloignent. Tous se disent qu'après tout, c'est pas si effrayant de se trouver dans l'espace, pour l'instant du moins. Au même moment, les enfants aperçoivent quelque chose d'étrange, un gros tourbillon cosmique dansant et scintillant dans l'espace. C'était fascinable. C'est un mot inventé qui veut dire quelque chose qui est à la fois fascinant et formidable. Et ils entendent un gros « ouf » en provenance de l'intérieur du bouillon, du tourbillon. « Oh, Chewie est là! » Je ne sais pas vraiment si nous devrions entrer, Nico. Ça a l'air plutôt effrayant. Mais là, nous devons tout le retrouver. Il faut explorer, non? Jenna met les gaz à fond et les dirige tout droit vers le trou tournoyant. Et quand ils ressortent de l'autre côté, c'est magique. C'est un endroit tellement incroyable qu'ils doivent se pincer pour s'assurer que leur imagination ne leur joue pas des tours. Tout autour, tellement de belles choses. Boum! Toc, toc, toc! Ça vient de l'extérieur. Ils regardent par la fenêtre. C'est un monstre de l'espace! Crie tout le monde en même temps. Ils trouvent un endroit où se cacher dans le vaisseau. Gemma prend son courage à deux mains, sort un peu la tête et observe longuement la créature et ses yeux cosmiques. Elle pense y voir, est-ce que ça pourrait être des larmes? Et Gemma dit, hey, tout le monde, je crois que ce n'est pas un monstre effrayant, regardez. Ah, elle veut simplement être notre amie. On peut se sentir très seul ici dans l'espace après tout. Les enfants sortent de leur cachette et font un gros câlin à leur nouvelle amie. La créature pousse un petit gloussement et devient orange vif. Elle est heureuse maintenant. Aider cette créature solitaire leur a donné l'envie de retourner à la maison. Mais ils n'avaient toujours pas retrouvé Chewie. Nico lui demande, « As-tu vu un chien passer par ici? » La créature pointe la terre du doigt par la fenêtre. « Waf, waf! » on l'entend. « Nous t'entendons, Chewie! » « Merci, créature de l'espace, qui n'est plus si seule maintenant. » L'équipage fait un au revoir, alors que Gemma lance le vaisseau vers les aboiements, les moteurs à pleine puissance. Le vaisseau spatial file comme l'éclair dans l'espace. Youpi! Oh non, le propulseur vient de se casser! À l'aide, Nico! Vif d'esprit, Nico saisit un cure-pipe et rechange et fixe le vaisseau spatial. Voilà qui est mieux. Mais, ouh! Attention aux astéroïdes! Ouh! Ouh! Et un satellite! Comme des vrais astronautes, ils manœuvrent habilement pour éviter tous les dangers. Ouf! Ils ont réussi. Peu après,
Leur trajectoire les mène vers une ombre de très grande taille. Oh! Ils regardent au loin. Oh, mais c'est la Station spatiale internationale! Et David leur fait un salut du hublot. Et Chewie est à ses côtés. Il était parti à toute allure parce qu'il voulait rendre visite à David. Ah, cette fois, t'as trouvé. Tu restes avec nous, Chewie. Chewie monte dans le vaisseau des enfants. Ce n'était pas trop tôt, parce qu'il était grand temps de retourner sur Terre. Mais au moment où Gemma s'apprête à mettre les gaz... Oh non! On n'a plus de carburant! David, peux-tu me donner une poussée? Et avec le Canadarm 2, avec mon levier ici de contrôle, David leur donne une formidable poussée. Il file à toute allure vers la Terre, à travers les superbes aurores boréales colorées qui ont astrouflé tout le monde. Astrouflé, c'est quand un astronaute est époustouflé. Enfin, le parachute arc-en-ciel géant du vaisseau s'ouvre. Alors qu'ils descendent doucement en direction de leur cabane, ils conviennent tous que cette aventure les a vraiment fatigués. Dit Layla, faisons une petite sieste avant d'atterrir. Gemma dit, bonne idée, Layla. Mathias et Nico dorment déjà. Ils se blottissent dans leur sac de couchage et se laissent gagner par leur sommeil. Waf, 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 waf! Chewie, qui avait aussi fait une petite sieste roulée en boule, réveille tout le monde, tout excité. Ils sont de retour dans la cabane. Les cinq explorateurs, émerveillés, lèvent les yeux souriants vers le ciel, remplis d'étoiles scintillantes. Merci, David. Bye-bye. Waf! Osez explorer. Merci beaucoup, David, pour la lecture de cette histoire. Et maintenant, on a des enfants de l'École des Saints-Anges qui sont impatients de te poser des questions. Et nous allons donc débuter avec Lily-Anne. Bonjour, M. David Saint-Jacques. J'aurais une question à vous poser. Quel livre avez-vous apporté dans l'espace et pourquoi avez-vous fait ce choix? Oui, alors j'ai apporté beaucoup de livres parce que moi, j'aime beaucoup la lecture. J'ai amené des livres pour enfants qui ont été choisis par mes enfants. J'ai amené aussi des romans d'aventure que je lisais quand j'étais un adolescent. Puis j'ai amené des livres plus sérieux aussi, des livres d'histoire pour m'éduquer. Donc, moi, j'aime beaucoup lire. Je pense que c'est très, très important. Merci. Et nous passons maintenant à la question de Julien. Bonjour. J'aurais une question pour vous. Quand vous veniez à l'école primaire des Saints-Anges, est-ce que vous pensiez déjà devenir astronaute? Sounds great. Oui, quand j'étais à l'école primaire des Saints-Anges, moi, je rêvais de l'espace, mais je ne pensais pas que c'était possible d'être astronaute. Mais je rêvais d'être un explorateur. C'est un peu la même chose. Merci. Et nous passons maintenant à la question d'Élise. Bonjour. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous fêtez Noël dans l'espace? Est-ce que vous pouvez voir le Père Noël de la Station spatiale internationale? Oui, on va fêter Noël ici. On a des gens de tous les pays, et dans tous les pays, on fête Noël. Alors, on va fêter Noël ensemble en pensant à nos familles. On a amené chacun de la nourriture spéciale de notre pays pour faire goûter à nos amis. Et le Père Noël, je ne sais pas si je vais réussir à le voir. On voit le pôle Nord d'ici, mais il est comme un peu au bord de l'horizon. On va essayer de le regarder. On a des bonnes jumelles. On va voir si on peut réussir à le voir. Et on passe maintenant à la question de Mathéo. Bonjour, David Saint-Jacques.
J'ai une question pour vous. Quel travail faites-vous dans la Station spatiale internationale? Ah, alors ici, la Station spatiale internationale, c'est un laboratoire. On fait de la recherche scientifique. Ça veut dire qu'on étudie le corps humain, on étudie la matière, on étudie les étoiles, on étudie la Terre. C'est un peu comme une université, la Station spatiale internationale. Ça, c'est une grosse partie de notre travail. Aussi, bien, des fois, il faut la réparer quand les choses sont cassées. Alors, il y a plein de machines ici. Alors, on passe beaucoup de temps à réparer. Et puis aussi, on nettoie parce que c'est notre maison. On vit ici. Alors, c'est une partie de notre travail aussi, c'est de s'occuper de notre station, de la garder en bon état. Comme toi, tu t'occupes de ta chambre. Merci. Merci. On passe maintenant à la question de Laureline. Des fois, on utilise Canadarm 2, le bras robotique canadien. Bonjour, David Saint-Jacques. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez voir les zones les plus polluées de la planète Terre? Alors, la pollution, des fois, on la voit un petit peu parce que quand on vole au-dessus des grandes, grandes villes, on peut voir qu'il y a comme un nuage gris là, au-dessus des grandes villes. Ça, on peut voir ça. C'est la chose la plus facile à voir qui nous montre la pollution. C'est la pollution de l'air. Merci. Puis aussi, des fois, on voit l'effet du réchauffement climatique parce qu'on peut voir que les glaciers dans les montagnes sont plus petits maintenant qu'ils étaient il y a 100 ans. Et nous allons maintenant avec la prochaine question de Liliane. Quelle était votre activité préférée à l'école primaire et dans quelle matière étiez-vous le meilleur? Ah, mon activité préférée, moi, j'aimais ça, les cours d'art plastique. J'aimais beaucoup ça, le bricolage. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Et puis, ma matière préférée, quand j'étais à l'école primaire, j'aimais beaucoup ça, le français, moi. J'aimais beaucoup ça, lire, écrire. Ouais, c'était ça, ma matière préférée, quand j'étais à l'école primaire. Moi aussi, j'aime beaucoup les cours d'art plastique. Et maintenant, nous allons avec une question de Julien. Comment faites-vous pour garder vos os et vos muscles forts et solides dans l'espace? Ça, c'est très important. Parce que si on ne fait rien dans l'espace... Regarde, c'est tellement, regarde, dans l'espace, là, tu vois, on flotte comme ça, comme dans une piscine. Tout, tout, tout. Si on ne fait rien, on va perdre tous nos muscles et tous nos os. Puis quand je vais revenir sur Terre, je ne pourrai pas marcher. Alors ça, je ne veux pas. Je vais être capable de prendre mes enfants sur mes épaules quand je vais revenir. Alors, on a une machine d'exercice. On fait d'exercice tous les jours. On fait 2 heures d'exercice par jour. On court, on a un vélo stationnaire, on a un tapis roulant avec un harnais qui nous tient pour pas qu'on s'envole, puis on peut courir dessus. Puis on a une machine pour faire des poids et haltères. Et avec ça, on peut rester en très bonne forme. Merci. La prochaine question vient d'Élise. Bonjour, je vais vous poser une question. Quelle est votre routine dans l'espace? Alors, on vit des journées à peu près normales. On est à la même... On n'est pas à l'heure du Canada, par exemple. On vit à l'heure de l'Angleterre. Et c'est comme 6 heures plus tard. Ici, vois-tu, chez moi, il est 4 heures d'après-midi. Et on se réveille le matin vers 6 heures. On se brosse les dents, on se lave un peu, on va à la toilette, on déjeune. Là, on parle à notre chef qui est à Houston et on planifie la journée. Et puis là, toute la journée, on travaille. On s'arrête pour manger le midi, on fait de l'exercice, on continue à travailler l'après-midi. Le soir, on parle encore à notre chef pour parler de la journée. Et après ça, on peut souper. Et là, on a le temps un petit peu le soir pour appeler notre famille ou peut-être écrire une lettre ou faire des photos de la Terre à partir de la fenêtre. C'est ça notre routine. Merci. Et la dernière question viendra de Mathéo. Comment faites-vous pour vous laver dans l'espace? Très bonne question.
Alors, on ne peut pas prendre de douche. Parce que imagine si je prenais une douche, l'eau, elle ne va pas vouloir tomber dans le fond de la douche, hein, elle va flotter. Alors, ce qu'on fait, c'est que... Imagine ça. Imagine que je prends un sac d'eau. J'en ai un ici. Tu vois, l'eau, ça coule comme en boule, comme ça, dans l'espace. Et là, avec ces petits... On peut mettre de l'eau comme ça sur nous. Et l'eau, elle va rester là, collée sur nous. L'eau va rester collée sur nous. Et là, tu peux te frotter avec un peu de savon. Quand tu es propre, tu prends une serviette, tu enlèves l'eau, et voilà. Donc, on se lave un peu comme on lave un bébé. Un morceau à la fois. On lave un bras, lave l'autre bras, lave une jambe, lave l'autre jambe, lave ton ventre, lave ton dos. Puis à la fin, t'es propre. C'est comme ça qu'on se lave. Un morceau à la fois. Merci. Et maintenant, je laisse la parole à M. David Lametti. David, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es en mesure d'écouter les matchs du Canadien de Montréal ou est-ce que tu dois te contenter avec la Ligue russe? Oui, c'est possible d'écouter la télévision, mais il faut le prévoir d'avance. Quelqu'un sur Terre l'enregistre et puis il nous l'envoie. Puis on peut l'écouter, mais le lendemain seulement. On ne peut pas l'écouter en temps réel comme on se parle en ce moment. Fait que j'essaie de ne pas regarder les résultats, puis comme ça, je peux le voir le lendemain avec la surprise. Super. David, notre connexion en direct tire déjà à sa fin. Je veux te remercier d'avoir répondu à nos questions. C'est une expérience que plusieurs vont se rappeler toute leur vie. Nous n'avons pas tous la chance d'aller dans l'espace, mais grâce aux photos et aux vidéos que nous partageons pendant ta mission, les Canadiens pourront suivre ton aventure. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Bye bye tout le monde. Station, this is Houston ACR. That concludes the event. Thank you, Canadian Space Agency and participants. Station, we are now resuming operational audio communication.